Bien, il était prévu que l'on ne prévoit rien en prévision de la prévoyance. Et puis, ben, finalement, on va quand même travailler. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire un exercice particulièrement intéressant que j'ai trouvé dans un vieux bouquin. C'est en fait probablement, hein, c'est mon sentiment, c'est l'exercice le plus intéressant de tout le polycopier. Et en fait, il vise à... Il s'intéresse à l'inégalité triangulaire, donc si vous prenez une famille de complexes Z1, Zn, bien vous savez que le module de la somme est bien sûr majoré par la somme des modules. Ça, c'est acquis. Et alors, en fait, on voudrait que quelque chose se produise dans l'autre sens. Alors il en existe une, hein, évidemment, mais avec des signes moins, mais je ne veux pas des signes moins, je veux quelque chose qui fasse apparaître la même quantité qu'ici. Oui. Alors évidemment, ça ne peut pas être vrai. Éventuellement, on voudrait que ce soit pondéré par une constante K. Oui. Là aussi, on peut trouver des exemples assez simples où ça ne peut pas être vrai. Par exemple, vous prenez... tous les addis sont nuls sauf deux qui sont opposés l'un de l'autre. Bah. Mais ce qu'on aimerait obtenir, c'est une inégalité de ce genre où on s'autorise à retirer un certain nombre de choses ici. Et c'est donc l'objet de notre exercice. Alors, énonçons la propriété. Eh bien, pour tout n plus grand que 2, oui, dès que je me donne Z1, Zn, des nombres complexes, eh bien, il existe une partie d'indices, donc une sous-famille, telle que, donc ce qui va jouer ici le rôle de cette somme, donc je retire éventuellement un certain nombre d'éléments, et ça, ben, ça doit être supérieur à 1 sur pi. Somme des êtres. Bien, alors vous allez me dire, finalement c'est pas hyper troublant d'avoir ça. C'est vrai, on va essayer de comprendre vraiment où est l'intérêt de cet énoncé. Si vous prenez par exemple n égale 2, vous voyez que eh bien, vous avez z1 en valeur absolue en module plus Z2, qui est certainement majoré par le max, par deux fois le max, pardon, de Z1, Z2. Et donc, bien, si c'est par exemple Z1 qui atteint le maximum, eh bien, vous voyez que la partie I égale singleton 1 va fonctionner. J'ai bien que la somme de Z1 est supérieur à une demi fois
Z1 plus pi. Bon, et le 1/2 est d'ailleurs bien meilleur que le 1 sur pi. Alors, ça, c'est valable pour tout Z1, Z2. Hein. Pour n égale 3, bah, vous pourriez trouver aussi une constante. Ce qui est très joli ici, c'est que la constante 1 sur pi, elle ne dépend pas de n. Voilà. Et on va voir en fin d'exercice que c'est en fait la meilleure constante que l'on puisse obtenir pour un tel énoncé. Ok. Alors, on a fixé n, on s'est donné nos z1, zn, et on va noter zk sous la forme module de zk, c'est-à-dire rk exponentielle i θk. Donc rk est positif, et θk est élément de 0 de pi. Et on va considérer, alors on introduit plusieurs choses, on va considérer pour un réel θ la partie S de θ, qui est l'ensemble des nombres complexes, donc les Z appartient à C, tel que la valeur absolue de l'argument de Z moins θ soit plus petit que 2, que pi sur 2, donc je borne par un cadran d'angle pi, que je vais d'ailleurs faire tourner, et puis je me donne une fonction H, va être là juste, c'est une fonction qui va être juste être technique, elle est 2 pi périodique par définition, donc il suffit de la définir sur une période, et bien je pose h de θ égale 1 si θ est plus petit que pi sur 2, et h de θ vaut 0 si θ en valeur absolue est compris entre pi sur 2 strictement et pi, si vous voulez la représenter. Voilà. Alors, je vais avoir comme valeur remarquable pi sur 2 moins pi sur 2 pi et moins pi. Alors, si θ en valeur absolue est compris entre moins pi sur, si θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, bien je vaux 1. Donc ici une belle droite. Et ensuite, si je suis entre pi sur 2 et pi, ou entre moins pi sur 2 et pi, bien je vaux 0. Donc ici. Oui, c'est le crack. Oui, et bien après, vous la prolongez gentiment par périodicité. Et donc vous voyez que c'est une application, donc le point suivant ça va être 3 pi sur 2. Oui, donc là ça va faire je craque, et puis ensuite je recommence, je craque, etc. Etc. Voilà. Donc vous voyez que eh bien sur une période c'est une application continue par morceaux, c'est même mieux, c'est une application en escalier. Une fonction d'escalier. Ok, bon, maintenant que j'ai ça, je vais attaquer les questions. Alors, je me donne θ qui appartient à R, et je vais considérer l'ensemble d'indices iθ. C'est l'ensemble des cas variant entre 0, entre 1 et n, pardon, tel que θk appartient à S de θ, c'est-à-dire les θk, ils sont donnés, ce sont les arguments hein, de zk. Donc c'est-à-dire, je ne vais considérer que les indices pour lesquels θk moins θ est plus petit que pi sur 2, en valeur absolue. Bien, et je vais m'intéresser à cette somme-là. La somme pour les indices qui appartiennent à cet ensemble de zk. Bien. Alors, la première chose à remarquer, c'est que quoi? Eh bien, ça, je vais l'écrire. Voilà. D'abord, avant de mettre des modules, je vais d'abord écrire gentiment. Ça, c'est la somme de
pour les indices appartenant à θ, de RK exponentielle iθk. Et je vais artificiellement factoriser par exponentielle iθ. Ça me fait RK exponentielle de iθk moins θ. Oui. Bien. Eh bien, si je prends le module maintenant, vous voyez que cette factorisation artificielle par iθ va disparaître, puisque l'exponentielle iθ, c'est le module. Donc ça, c'est la somme de, pour les indices k appartenant à iθ, de rk exponentielle iθk moins θ. Mais si vous l'écrivez, en partie réelle, partie imaginaire, ça vous fait cos de θk moins θ plus i fois rk sinus de θk moins θ. K appartient à iθ. Et vous devez savoir, mes chers amis, que donc ça c'est un nombre complexe, celui-là. Là j'ai ma partie imaginaire, et puis quand je reprends la somme ici, j'ai ma partie réelle. Vous devez savoir que le module d'un complexe est certainement supérieur à la valeur absolue de sa partie réelle, qui est aussi supérieure à la partie. La valeur absolue de sa partie imaginaire, pourquoi ? Eh bien parce que quand vous élevez au carré, le module c'est la somme des deux carrés. Donc vous avez toujours cette propriété là, et donc du coup, eh bien vous voyez que la somme pour k appartient à iθ de zk est certainement supérieure à la partie réelle en module hein, de des rk. Cosinus θk moins θ. Toujours pour k appartient à iθ. Bien. Mais maintenant, eh bien, le point, c'est que, k appartient à ik, à iθ, pardon, si et seulement si. Eh bien, θk moins θ en valeur absolue majorée par pi sur 2. Et donc, si et seulement si, vous avez, si je reprends ma fonction h, si et seulement si, vous avez h de θk moins θ qui est égal à 1. Ça veut dire que si vous rajoutez tous les autres indices qui manquent, eh bien, h de θk moins θ vaudra 0 pour les autres. Donc, du coup, eh bien, ça, c'est très précisément égal à la somme de rk cosinus θk moins θ, h de θk moins θ, pour k qui est égal à 1 à n. C'est ça qui va m'intéresser. Je viens de reconstruire cette chose. Bien, et donc j'obtiens cette inégalité. J'ai même mieux, je l'ai en module. Alors l'intérêt, c'est que ça devient réel, hein, parce que j'ai pris la partie réelle. Bien, on vous suggère justement de considérer cette fonction-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bah, celle-là, elle est continue, ça va être en escalier. Donc cette fonction est continue par morceaux, il n'y a pas de problème. Et je vais l'intégrer entre 0 et 2π. Alors un peu mieux, celle-là est 2π périodique, celle-là aussi. Donc la fonction est 2π périodique. Ça a son importance pour la suite. Donc je vais calculer mon intégrale de 0 à 2π de φθ dθ. Et bien cette intégrale, elle vaut, par linéarité, elle vaut somme de k égale 1 à n de l'intégrale, alors je peux sortir le rk, parce que je ne vais pas me gêner, l'intégrale de 0 à 2π
2 cosinus θ moins θ k, h de θ moins θ k, dθ. Et là, vous faites une... Pour calculer cette intégrale-là, vous faites le petit changement de variable u égale θ moins k, moins θ k. Du coup, cette intégrale, elle devient... Alors, quand θ vaut 0, bien u vaut moins θ k. Et quand θ vaut 2π, fait 2π moins θ k, 2 cos u, h de u et u. Seulement, votre fonction cos u h de u, elle est 2π périodique. Et là, vous intégrez sur une période. Donc ça, vous pouvez tout à fait écrire que c'est égal, je vais l'écrire là, à l'intégrale sur une autre période. Je vais fixer la période. Donc cos u h de u et u. Donc je vais prendre moins pi, pi. Et donc, bien l'intégrale de 0 à 2π, de phi θ dθ, c'est la somme des rk fois cette intégrale, mais ça devient une constante. Donc ça devient la somme des rk pour k égale 1 à n fois cette intégrale. Cosu h de u du. C'est formidable, il ne reste plus qu'à calculer cette chose-là. Ça, c'est assez simple. Et du petit dessin que je vous ai fait ici, vous voyez que vous intégrez entre moins pi et pi. Vous voyez que la fonction h, elle est nulle ici et ici. Donc la seule partie de l'intégrale, cos h de u, du, la seule partie de l'intégrale, ça va être l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2. De cosinus u, c'est-à-dire sinus u entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Et ça vaut 2. Et donc, vous venez de montrer que l'intégrale de 0 à 2 pi de phi theta dθ est égale à 2 fois la somme des rk. Mais qu'est-ce que c'est que rk? C'est tout simplement le module. Donc ça, c'est 2 fois la somme des modules de ZK pour K égale 1 à N. Bien. Et bien maintenant, je vais passer ça dans l'intégrale. Comme ça, c'est une constante. Il faut que je divise par la longueur de l'intervalle. Il faut que je divise par 2π. Et donc ça, c'est équivalent à dire que l'intégrale de 0 à 2π de phi θ moins, si je divise par 2π, ça me fait 1 sur π, somme du module de ZK. Dθ égale 0. Ça implique forcément que phi de θ soit plus grand que ça pour un certain θ. Pourquoi? Parce que si, quel que soit θ, appartient à 0 de π, phi, enfin cette fonction là, on va l'appeler psi de θ. Si psi de θ est toujours strictement négative, comme la fonction est continue par morceaux, ça va impliquer que son intégrale est strictement négative. Pourquoi? Parce que je vous rappelle le théorème valable pour les fonctions continues. Si vous avez une fonction de signe constante continue qui est dont l'intégrale est nulle, la fonction est nulle. Et l'analogue pour les fonctions continues par morceau, c'est de dire qu'une fonction continue par morceau de signe constant, qui est d'intégrale nulle, alors la fonction est nulle, sauf éventuellement, sauf certainement ces points de discontinuité, qui sont en nombre fini par définition de ce qui est une implication continue par morceau. Et donc du coup, il existe un θ0 qui appartient à 0 de π, tel que φ de θ0 soit supérieur ou égal à 1 sur π, somme de zk. Mais qu'est-ce que c'est que φ de θ0? Il faut reprendre la fonction φ qu'on a introduite. La fonction φ qu'on a introduite, c'est somme des
k égale 1 à n, et rk cosinus θ moins θk, h de θ moins θk. Seulement ça, on a montré en première question que c'était plus petit que la somme des zk pour k qui appartient à i0. À iθ, pardon. Et ben, le iθ, θ0, le iθ0 est un sous-ensemble d'indices qui convient. Et vous avez montré cette très belle propriété. C'est beau les matins. Et vous voyez, on utilise une propriété fondamentale de l'intégrale pour pouvoir montrer qu'il y a la fonction prend. Donc je répète, hein, la fonction est continue par morceau. Sans l'intégrale est nulle, donc il y a forcément un point où elle est strictement négative. Ou elle est strictement positive. Pardon, ou elle est positive ou nulle. Je vais y arriver. Ok, alors on passe à la dernière question qui est assez complexe. Enfin, elle nécessite plusieurs choses à dire. Donc on veut montrer que ce 1 sur pi est optimal. C'est-à-dire que on veut montrer que si j'ai une constante pour tout n, style la constante qui apparaît ici, on ne peut pas faire mieux qu'un sur pi. Alors, on va voir ça. On vous suggère de considérer les racines de l'unité. Donc, les racines énièmes de l'unité, je vous rappelle que c'est les exponentielles de zk pi sur n, pour k qui varie de 0 à n-1. Oui. Géométriquement, ça vous décrit les sommets d'un polygone régulier à n côtés. Ok. On vous donne une indication. On vous dit bien considérer In inclus dans 0 n-1 tel que la somme des UKN pour K qui appartient à IN en module soit maximale. Bon, ça c'est très important, on va l'utiliser juste après pour pour montrer ce qui va arriver ici. Alors, je vais écrire cette somme. Pour k appartient à IN de mu kn, oui, sous la forme bien rho n exponentielle i theta n avec rho n supérieur ou égal à 0 et theta n qui appartient à r. Je l'écris module argument. Bien. Et je vais tout multiplier par exponentielle moins i theta n. C'est-à-dire que ça va me donner que rho n, c'est la somme. Alors ça, c'est exponentielle de zk pi sur n. Donc ça va me faire exponentielle. Alors je vais factoriser le i. Oui, ça me fait 2k pi sur n. Moins θ n. Et ça, c'est pour les indices k qui appartiennent à n. Oui. Bien, mais vous remarquez que rho n, c'est un réel. Donc ça veut dire que cette somme-là, la partie imaginaire de cette somme, est nulle. Autrement dit, ça vaut très précisément la partie réelle. Et la partie réelle, ce n'est rien d'autre que la somme des cosinus de kπ sur n moins θ n. Oui. Alors, ce que je vais essayer de montrer, le lemme, le résultat, c'est que si je prends k dans 0 n moins 1, eh bien k appartient à in si et seulement si le cosinus ici est positif. Oui. Bien. Alors,
comment montrer cette équivalence? Bon, on va commencer je suis en train de chercher comment je vais le rédiger, par l'absurde ou par contraposé. Je vais le rédiger par l'absurde. Allez. Donc je suppose que le cosinus képi sur n strictement positif moins θ n non positif juste. Et positif et oui positif large ça suffit et que k n'appartiennent pas à n. Oui, et je vais montrer une absurdité. L'absurdité va évidemment porter sur la maximalité de cette famille. Alors, je vais considérer la somme. Donc, je vais considérer I, ça va être In, union, bah, cet indice K, qui n'appartient pas à In. Donc, du coup, bien la somme des indices appartient à I. Donc de mu k de n, c'est la somme des indices qui appartiennent à in plus bah, celui qui me manque. Alors oui, bravo Deschamps. Il y a une confusion entre l'indice ici et l'indice là, donc il faut que je le nomme. Je vais l'appeler k0. Comme ça, il n'y aura plus de confusion possible. Donc plus mu k0 de n. Oui. Mais ça, bah, j'ai dit ce que c'était. J'ai dit que c'était rho n exponentielle i theta n plus, ça je sais ce que c'est exponentielle 2i pi k0 sur n. Et bah, je factorise, toujours par exponentielle i theta n. Bah, là, je vais avoir rho n plus exponentielle 2i pi k0 sur n moins theta n. Bien. Et donc le module de ça, qui appartient à I, bien c'est, ça disparaît, c'est le module de rho n. Et là je décompose en partie réelle, partie imaginaire. 2i k0 pi sur n, moins θ n. C'est peut-être un peu violent de mettre un i dans un cosinus réel. Plus i fois le sinus de 2k0 pi. Oui. Oui, mais là, il se produit quelque chose de très intéressant. C'est que si vous calculez ce module, eh bien, le module va valoir. Et. Alors, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Je vais donc avoir ρn carré plus 1, parce que je vais avoir à chaque fois les carrés ici, plus 2 ρn cosinus de k0 pi sur n moins θ n. Seulement l'hypothèse, c'est que ce cosinus est positif. Donc ça, c'est certainement supérieur ou égal à rho n carré plus 1. Oui. Et qui est strictement supérieur à rho n carré. Donc ça veut dire que ce module-là est strictement supérieur à celui-là. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Bien parce que vous avez choisi... vous avez choisi le IN pour que ce soit maximal. Donc ça, c'est absurde. D'accord? Et donc, vous avez montré la réciproque. Maintenant, le sens direct. Eh bien, le sens direct, on va supposer que K appartient à IN. Et que le cosinus est strictement négatif. Alors,
je vais vous laisser le détail, c'est exactement la même idée. C'est que là, la partie que l'on va considérer, c'est la partie I. Je vais l'appeler K0, pardon. La partie I, c'est la partie IN auquel j'ai retiré. Parce que si K0. Et vous développez le même argument. Et vous voyez que vous allez avoir à nouveau que cette inégalité-là, ce qui est absurde. Donc, je vous laisse le détail. Il n'y a pas d'autre idée que celle que je viens de développer. Bien, alors, une fois qu'on a fait cette remarque-là, vous remarquez que du coup, ρn, qu'est-ce que c'est? C'est, j'ai la somme pour k appartient à n, des cosinus de k pi sur n, moins θ n. Ça, c'est la somme pour k égale 1 à n, le cosinus de k pi n moins θ n. Alors, pas sur tous les indices, seulement sur les indices positifs, puisque on vient de montrer que vous êtes dans IN si et seulement si. Donc, c'est les cas tels que ce cosinus soit positif. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on veut raccrocher la fonction h maintenant, ça, c'est exactement la somme pour k égale 1 à n de cosinus de k pi, y arriver, sur n moins θ n, fois h de 2 k pi, sur n moins θ n. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif si et seulement si, vous êtes entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et c'est négatif si vous êtes entre moins pi sur 2 et enfin entre pi sur 2 et moins pi sur 2 de l'autre côté. Ce que je suis en train de dire, c'est que le champ pour lequel vous allez donc c'est pi sur 2 pi sur 2 moins pi. Or, ce que fait la fonction h, si vous regardez sa définition, h, elle annule précisément tous ceux qui se trouvent de ce côté-là. Donc, du coup, tous les cosinus négatifs, en fait, le cosinus est négatif si et seulement si ça, c'est nul, et positif si et seulement si ça, ça vaut 1. Et donc, vous avez montré que votre réel rho n, ce n'est rien d'autre que cette somme-là. Ok, maintenant, vous constatez une chose, c'est que 2 pi sur n, cette somme-là, c'est une somme de Riemann. 2 kpi sur n moins θ n, h. Ça, c'est une somme de Riemann. Dont le pas vaut 2 pi sur n. Ouais, mais 2 pi sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc du coup, le théorème de Riemann me dit que ça, en n, ça va tendre vers l'intégrale de 0 à 2 pi. Ou de moins pi à pi, peu importe. On va plutôt prendre moins pi pi parce qu'on va avoir exactement la même notation de cos u h de u. Et ça, on a vu que ça valait 2, mes chers amis. Voilà. Et donc, vous voyez que quoi? Vous voyez que ρn. Alors, ça tend vers 2, et ça c'est ρn. Oui. Donc, vous voyez que ρn sur n tend vers 1 sur pi. Oui. Seulement, et c'est la dernière remarque, n, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que la somme des mu k n, puisque les racines de l'unité sont toutes de module 1. Et donc, vous voyez que la somme
Et K appartient à IN. Et des mu KN en module, qui vaut ON, divisé par la somme des K égale 1 à N de module de mu K de N tend vers 1 sur pi. Et donc, bah, vous voyez, par passage à la limite, la constante 1 sur pi est la meilleure constante que l'on puisse obtenir. Voilà, je trouve vraiment cet exercice magnifique. Hein. Je le répète, l'idée n'étant pas de moi, ça peut... Ça va, ça ne pose pas de problème à ma légendaire modestie, hein, puisque comme vous le savez, je suis génial. Voilà, mes bons amis, en espérant que cet exercice vous fera méditer, vous aura intéressé, je vous souhaite tout le bonheur et n'oubliez pas cette grande phrase de Blaise Pascal, tout homme cherche le bonheur, même celui qui va se pendre. Bonne méditation.